pas recevoir. Même si le téléphone sonne, tu ne peux pas recevoir les appels. Avec tout ce bruit-là, avec les odeurs-là. Et nous sommes d'abord au départ maltraités. C'est tout ce que je peux te dire. Maltraités par qui? Par n'importe qui. Quelque chose à dire à l'endroit des pouvoirs publics, serait peut-être le moment de le faire. Non, je n'ai rien à dire. Ça, ce sont les trucs qu'on devait se constater. Tous les commerçants ont trouvé un consensus pour le compte. Mais je ne peux pas décider ça. Non, on est fatigué avec ces gens-là. Ils sont là seulement pour escroquer les gens, prendre l'argent. Au lieu de s'occuper de la sanité de nos marchés bananes, ils ne veulent pas s'occuper. Comment on va vivre dans la sanité, hein? On ne peut pas vivre dans la sanité comme ça. Il faut qu'eux aussi comprennent que c'est un magasin. Hein? Toutes les mouches-là, ça rentre. On jette même des choses pourries. Les chiens, tout, c'est là. Comment on va vivre comme ça? On mange, on ne sait pas si c'est la nourriture qu'on mange ou bien si c'est la sanité qu'on mange. Même là où on est venu, il n'y a pas assez d'herbe. Déjà la mairie avait tout nettoyé. Nous on est seulement venu mettre les fleurs. Et puis il y a les gens qui passent pour demander si vous allez nettoyer et vous payez. Avant quand on venait, il y avait de l'herbe, ça dépasse même les cimetières, sans dans les herbes. Mais à partir d'aujourd'hui, la mairie fait du bon travail, il y a l'éclairage, c'est bien éclairé. Oui, on est très très satisfaisant. Privan Gomo s'est adressé à la France énormément, comme je le disais dans mon propos liminaire. De quoi les magistrats gabonais se mêlent-ils? Ils ont des choses de plus importantes à régler. Aujourd'hui, nous sommes dans un système d'impunité dans notre pays et le président du syndicat des magistrats a révélé l'ampleur de la corruption. Une jeune fille a une très grande échelle du caractère corrompu, clientéliste de la justice de notre pays. Il y a un travail en profondeur d'assainissement, de démantèlement des réseaux corrompus dans la justice. Parce que c'est ces réseaux corrompus dans la justice qui empêchent, n'est-ce pas, la démocratie de se développer. Il n'y a pas de démocratie dans un pays sans justice. Or, l'état de délabrement du système judiciaire, avec ces cliques de magistrats corrompus qui emprisonnent de façon malhonnête les citoyens et qui n'appliquent pas la loi, le pays ne peut pas évoluer. Donc, il y a un travail en profondeur d'assainissement de la justice. La justice est à l'image même de la démocratie. Moi, je me demande pourquoi on emprisonne. Il a tué qui? Tous les criminels qui sont dehors. Tous les voleurs qui sont dehors. C'est pas ce problème. Pourquoi on l'emprisonne? Je demande à la France de libérer mon enfant. Libérer mon enfant, il n'a rien fait. Dieu est là. Privat n'a pas tué, Privat n'a pas insulté quelqu'un. Il a dit que tout ce que les gens disent en bas. La France, libérez mon enfant. La France, libérez mon enfant. Il n'a rien fait.